Donc, je suis heureux de vous présenter donc Armand Jam, qui est directeur de recherche au CNRS, qui a beaucoup travaillé, hein, on le connaît surtout pour cela ces dernières années, donc sur la papauté, sur la gouvernementalité, bon, plutôt à la fin du Moyen-Âge, et qui là revient à ses premiers travaux, à ses premiers amours sur des capitaines, des hommes d'armes, avec donc cette communication sur un capitaine anglais face à la reconquête de la Guyenne, Bernard de La Salle. Merci. Je remercierai tout d'abord nos hôtes, Jonathan Sumption et son épouse, pour leur accueil, ainsi que, bien évidemment, l'organisateur. Le 14 octobre 1371, Bernard de La Salle et Bertuca d'Albret s'emparaient de Figeac, une ville de quelques milliers d'habitants, peu avant l'aube, selon une méthode dont le premier tout au moins était familier, puisque c'était elle qu'il avait fait connaître 12 ans plus tôt, lorsque le capitaine de Buch, au service du roi de Navarre, avait pris la ville de Clermont en Beauvaisis. Le 18 novembre 1359, à l'aube, il y était entré le premier, en rampant ainsi comme un chat, dit Froissart, sur une échelle de corde suspendue à des grappins d'acier. Mis en vedette par ce coup d'éclat, il devint rapidement chef d'une petite troupe, puisque toujours d'après Froissart, les routiers qui, sans emploi après la trêve de Brétigny, s'étaient regroupés en Champagne dans l'été 1360, avaient ordonné entre eux plusieurs capitaines, au sein desquels figurait le héros du 18 novembre de l'an passé. Si l'on suit toujours Froissart, le personnage aurait mérité le qualificatif de subtil échelleur, et de fait, sa chronique lui attribue un grand nombre de belles prises, la charité sur Loire en octobre 1363, belle perche en Bourbonnais, où résidait Isabelle de Valois, sœur de Philippe VI et duchesse douairière de Bourbon, dans l'été 1369, etc., même si elle a nommé curieusement d'autres, et non des moindres, à commencer par celle de Figeac. Après avoir vendu cette ville et les châteaux alentours quelques 120 000 francs d'or grâce à l'entremise du comte d'Armagnac, l'homme, on le sait depuis les biographies réalisées d'abord par Paul Durieux puis par Léon Honoré Lamande, eut une brillante carrière. Passé au service du pape et de l'église, il combattit à Pérouse, dans la marche d'Ancône et en Romagne, servit en 1378 les cardinaux en révolte contre Urbain VI, et la reine Jeanne de Naples contre ses adversaires, puis l'héritier qu'elle s'était choisi, Louis d'Anjou, avant d'entrer au service de Florence, le tout sans renier sa foi clémentiste, ce qui lui permit d'être élevé, au moment où le roi Charles VI préparait une expédition pour reconduire le pape avignonnais sur le siège de Pierre, à la charge de capitaine général de l'Église. Mais peu après, il mourut, en mai 1391, à l'âge de 62 ans, dans une vallée des Alpes, assassiné sur l'ordre du comte Jean-III d'Armagnac, alors qu'il tentait de rejoindre celui qu'on doit considérer comme son beau-frère, qui n'est rien moins que le futur duc de Milan, Gian Galeazzo Visconti, assassiné traîtreusement, si l'on suit une lettre du principal chef de guerre de Gian Galeazzo Visconti, Jacopo del Verme, qui fit exécuter ses meurtriers. En une trentaine d'années, Bernard de La Salle, parti de rien ou presque, était entré dans le cercle étroit des élites politiques de son temps, un cercle d'ailleurs passablement étendu, puisqu'il allait du royaume de Naples à l'Armagnac en passant par le Milanais. Ainsi présenté, l'homme paraît avoir eu une destinée digne des temps napoléoniens qui virent, on le sait, parvenir à des titres militaires et nobiliaires prestigieux des hommes issus des rangs très inférieurs de la société. Sauf que les structures sociopolitiques du second XIVe siècle, nettement moins ouvertes que celles issues de la Révolution et nettement moins formatées par le concept d'État-nation, impliquaient peut-être, comme l'indique sa carrière, de démultiplier les employeurs potentiels pour progresser plus vite. Il y a donc quelque intérêt, me semble-t-il, à ouvrir, ou plutôt à rouvrir, car je suis loin d'être le premier, après les nombreux travaux de Philippe Contamine, la synthèse en cours de Kenneth Fowler et bien d'autres historiens que je ne peux citer ici, la question des raisons de l'ascension sociale presque fulgurante de quelques chefs de guerre au XIVe siècle. On voudrait ici faire porter plus particulièrement l'interrogation, à partir d'une existence évidemment hors du commun, mais aussi assez bien documentée, sur les processus de construction et d'expression d'une distinction sociale, qui fait que dans le cas présent, l'autorité de capitaine ne repose plus seulement sur la force et la capacité à faire peur. En d'autres termes, je souhaite situer l'analyse autour des éléments qui sont en mesure de transformer un chef de routier, qui n'est en somme qu'un chef de bande, en personnage reconnu, accepté et intégré par les pouvoirs dans leurs calculs et dans les institutions de gouvernement. Froissart attribue à Bernard de La Salle dès 1360 le titre de capitaine, qui certes ne renvoie pas encore à ce stéréotype qui se définit au XVIe siècle à travers
une littérature surabondante comme une somme de vertus masculines, mettons quand même un peu de genre dans tout ça, et une somme de vertus aristocratiques, mais en était-il véritablement un en 1360 ? Parce qu'il avait échelé Clermont en Beauvaisis 6 mois plus tôt ? D'après les documents aujourd'hui conservés, il semble que les pouvoirs ne lui reconnurent ce titre que bien des années plus tard. Et lui-même, en 1375 encore, ne signait une lettre qu'il adressait à la ville de Lyon que par les mots « Bernard de Sales ». En fait, il semble surtout que Froissart ait fait sienne, et on peut le concevoir d'ailleurs, cette maxime de Brantôme, le plus grand honneur que l'on puisse donner à un homme de guerre, c'est de l'appeler « capitaine ». Bref, il s'agit de saisir, au-delà d'une ascension sociale, les voies d'acquisition, sinon d'une honorabilité, du moins d'une estimabilité, d'une fréquentabilité, pardonnez ces néologismes, par un homme qui mit au service de ses employeurs d'indubitables talents tactiques et de meneurs d'hommes, mais qui se trouva constamment mêlé à des pilleries, des massacres, de basses intrigues et des complots, parfois susceptibles de déstabiliser l'Europe, je rappelle pour mémoire le rôle essentiel qu'il eut dans le déclenchement du grand schisme d'Occident, et ce jusqu'à sa mort en 1391, alors qu'il tentait de rejoindre Giangaleas au Visconti. À cette fin, il convient d'abord de s'assurer de certains éléments biographiques. Sa carrière a été tracée par Paul Durieux et complétée par Léon-Honoré Labande, qui s'est livré, lui, à de très longs dépouillements dans les riches sources italiennes. Abstraction faite d'une furieuse tendance du premier de ses historiens à vouloir absolument gasconiser à toute force le personnage qu'il appelle Bernardon de La Salle et dont il narre les hauts faits, leurs travaux restent dans leur grande ligne valable, bien que de nouvelles sources soient à solliciter et qu'elles révisent certaines de leurs interprétations. Précisons tout d'abord un certain nombre de points relatifs à ses origines, à ses attaches politiques et à son statut social avant la prise de Figeac. Une instruction ordonnée en août 1375 par le duc d'Anjou, lieutenant du roi en Languedoc contre Charles d'Artois, second fils du fameux Robert d'Artois, que m'a signalé et même fourni Germain Buteau, que je remercie à nouveau grandement, permet de préciser son année de naissance, ce qui est assez rare pour un chef de routier. Alors qu'il mène au service du pape Grégoire XI une guerre en Venaissin contre le prince d'Orange Raymond des Baux, Bernard de La Salle est amené à témoigner contre Charles d'Artois, sans doute, c'est mon interprétation tout au moins, pour disculper d'une partie de ses fautes celui qui fut longtemps, sinon son frère d'armes, tout au moins son protecteur et ami, Bertucat d'Albret, alors prisonnier du duc d'Anjou. Il se rend donc librement à Villeneuve-les-Avignon, dans la maison où habite alors Louis d'Anjou, pour répondre aux questions des quatre commissaires établis par le duc, et là, le 24 août 1375, il déclare avoir 46 ans, well circa. Né en conséquence vers 1329, ses origines demeurent néanmoins obscures, il a vu le jour dans le diocèse d'Agen, et noble sans nul doute pour avoir été fait chevalier par un fils de Bernard Haïs d'Albret, mais ses attaches familiales demeurent inconnues. Nul cousin ou parent n'apparaît à ses côtés, même à ses heures de gloire, et son patronyme, et on le sait, fort commun dans le sud-ouest de la France actuelle, n'apparaît pas dans les limites du diocèse d'Agen, ni dans le second livre noir de la Connétabie de Bordeaux, établi par Jean-Paul Trabucussac, ni dans le livre d'Agenais, édité par Quintino, d'après un manuscrit de la Bonnelli Library. Sa première lettre conservée donc dans les archives communales de Lyon, datée par Georges Guigues, le savant auteur des Tarvenus en Lyonnais, Forez et Beaujolais de 1368, est en réalité de 1375 et porte une signature qui ne donne à son patronyme en deux mots qu'un seul L, gageons qu'il savait au moins écrire son nom, et donc ceci me conduit aujourd'hui à privilégier, parmi les multiples origines possibles, je passe sur les détails de mes recherches, donc une origine qui serait à situer dans le canton de Concon, entre Villeneuve-sur-Lot et Bergerac. Comme à la date de sa mort, en 1391, les diverses pièces et instruments relatifs à sa succession ne mentionnent que des seigneuries, maisons et domaines donnés par la papauté et les Angevins de Naples, en Venaissin et en Provence, on devrait aussi en déduire qu'il n'était que le puîné d'une famille de très petite noblesse, jeté fort jeune dans le métier des armes et l'aventure, avec peut-être, pour seul bagage, une rossinante et une épée rouillée. Gardons l'image, ne serait-ce parce qu'elle sert ma démonstration. Deuxième élément, son engagement politique. Le personnage apparaît dans l'histoire entouré de Gascons au service de Navarre, d'abord sous les ordres du capitaine de Buch, puis sous les ordres de Louis de Navarre, frère de Charles le Mauvais. Mais dans sa déposition contre Charles d'Artois, qui avait tenté en 1361 de reprendre son comté de Longueville, il affirme que Charles d'Artois tenait dans ses forteresses des hommes d'armes de « nation gasconne », je cite, qui dévastait entre autres la patria du duc d'Anjou, à ce moment-là otage en Angleterre. Et s'il le sait, c'est parce qu'il s'y trouvait lui-même.
Mais s'il se présente, non sans forfanterie typiquement gasconne, comme étant à la tête d'une magna gensium marmorum comitiva, il précise aussi qu'il y était tamquam anglicus, ce qui signifie certes qu'il prétendait avoir été à la solde d'Édouard III pour se prémunir contre toute accusation de brigandage, mais marque aussi sa volonté, je crois, de se distinguer par rapport à la nation gasconne à laquelle il ne considérait pas appartenir. Natif de la Genêt, mais anglais, tout dans son comportement le confirme effectivement à partir de 1364 au moins. S'il prend part, sous le commandement du duc d'Aquin, à la première expédition d'Espagne, au cours de laquelle d'ailleurs il se distingue, dès son retour en deçà des Pyrénées, probablement en juillet 1366, il s'éloigne de la Guyane anglaise pour s'emparer avec Bertuca d'Albret de la place de Marcilly-le-Châtel à la frontière entre Forêt et Auvergne. Mais dès la fin de cette année, il répond à l'appel du connétable d'Aquitaine John Chandos, qui lui enjoignait de servir le prince noir, qui, on le sait, s'était engagé à reconquérir son royaume à Pierre le Cruel. Le poème du héros Chandos le qualifie alors de brave, le bon Barnat de la Salle, et le place au moment du passage des Pyrénées avec les compagnies dans le dernier corps d'armée commandé par le roi de Majorque et le comte d'Armagnac. Le cuisant échec politique subi par le prince noir en Castille n'entame nullement son dévouement. S'il entre avec Bertuca au service de Charles d'Artois, qui s'était alors mis en tête de reprendre au comte et à la comtesse de Flandre rien moins que le comté d'Artois et la comté de Bourgogne, qu'il prétendait sien, c'est parce que celui-ci était venu à Bordeaux solliciter l'emploi des compagnies auprès d'un prince noir qui était alors, vous le savez tous, dans l'incapacité de solder ses dettes à leur égard. Après que Charles d'Artois ait honteusement renoncé à son projet, on le retrouve dans la ville de Mâcon, en février-mars 1368, en pleine discussion avec le duc de Berry, qui voulait les faire passer en Italie, au service du comte de Savoie, à Médicis. Mais dès la réouverture du conflit avec les Français, il se comporte comme un chef militaire dont la fidélité anglaise est hors de doute, puisqu'il apparaît cantonné en 1369 à Niort, sous le commandement de Thomas de Hampton, selon Cabaret d'Orville, biographe de Louis de Bourbon. Probablement participe-t-il à la prise de la cité de Limoges en septembre 1370. L'année suivante, on l'a vu, il s'empare de Figeac, une ville qui était tournée française, mène ensuite en Languedoc, Velay, Auvergne et Limousin un type de guerre qui s'apparente à ce qu'on appelle sur mer une guerre de course, toujours contre des positions officiellement françaises. Enfin, en août 1375, alors qu'il est à la solde du pape Grégoire XI en Venaissin, et qu'à cette date, tout retour en Guyenne semble plus que compromis, il présente dans sa déposition à Villeneuve-les-Avignon le prince noir comme son seigneur, une expression qui indique, dans ce contexte précisément, l'existence d'une fidélité qui allait bien au-delà de ce qu'impliquait une assermentation liée à un contrat d'engagement militaire. Dans cet attachement anglais de Bernard de La Salle, il faut moins y voir les conséquences d'une fidélité due par son lignage, implantée finalement pas très très loin de Bordeaux, dans une région de clivage entre fidélité française et anglaise, comme l'avait montré la guerre de Saint-Sardos quelques années avant sa naissance, que la révérence et l'admiration qu'il dut éprouver, comme nombre d'hommes d'armes de son époque, pour la personne d'Édouard de Woodstock, qui, finalement, à un an près, Bernard de La Salle est né en 1329, Édouard de Woodstock en 1330, avait donc le même âge que lui et duquel il estimait dépendre. Troisième élément que je souhaitais examiner, le statut social. Pendant les 12 premières années de son existence connue, qui couvre les années 60 du XIVe siècle, le personnage n'est qu'un nom, qui assoit sa notoriété sur les craintes que suscite la bande qu'il commande. Ceci ressort tout particulièrement dès qu'il s'agit de désigner sa personne et celui que l'on doit considérer comme son principal compagnon, Bertuca d'Albret. Fils bâtard de Bernard Haïs IV, sire d'Albret, celui-ci est régulièrement affublé dans les sources du titre de Mossen ou de Messire. Bernard de La Salle, avant la prise de Figeac, ne porte jamais ce titre. Marque également de son rang social le statut de ses prises et de ses hauts faits. Pendant plus de 10 ans, Bernard de La Salle s'est emparé de villes et de forteresses, souvent sans nul titre de guerre, comme disait Froissart, c'est-à-dire sans mandement express d'un pouvoir politique, qu'il appelait néanmoins ensuite à la rescousse, comme le montre par exemple la chronique de Cabaret d'Orville, pour se défendre d'abord, puis pour en exploiter pleinement les fruits. C'est-à-dire que le personnage était avant tout, bien que tacticien habile et chef de guerre courageux, les sources le montrent encore dans les années 1380 combattre en première ligne, un chef de bande, voire un homme de main, sur lequel le pouvoir politique anglais était manifestement heureux de pouvoir compter, mais qui était maintenu à bonne distance des responsabilités politico-militaires. Il me faut donc voir à présent en quoi et pourquoi la prise de Figeac en particulier a modifié à la fois une carrière et un rang social.
Bien que certains historiens attribuent la prise de la ville à Bertuca, il semble bien que Bernard de La Salle ait eu un rôle essentiel. Après la conquête, il fut fait chevalier sur la place principale, si l'on en croit le petit Alamu de Montpellier, et ce fut lui qui prit le titre officiel de capitaine de Figeac pour le roi d'Angleterre et le prince d'Aquitaine. En octobre 1371, ce succès du parti anglais était un succès qui était à contre-courant. La reconquête menée par les ducs d'Anjou et de Berry avait connu d'évidents résultats. La plupart des centres urbains, comme Cahors, Agen, Figeac, étaient passés français au cours de l'année 1369. Rares finalement étaient ceux qui, comme Sarlat, l'avaient fait l'année suivante. Enfin, les diverses tentatives de contre-attaque anglaises se soldaient toutes par des échecs, parfois lourds de conséquences si l'on pense à la mort du connétable John Chandos au tout début de l'année 1370. Ce contexte peut expliquer qu'un chef de compagnie ait alors reçu un titre de gouvernement de la part d'Édouard III. En d'autres termes, il n'était pas temps, à l'automne 1371, de mégoter sur les mérites effectifs de Bernard de La Salle à commander la place. Si l'on en croit un mémoire présenté plus tard en cour de Rome par les Figeacois, c'est le texte numéro 4, la ville prise par 160 hommes d'armes et 500 pillards aurait été mise à sac, les routiers se seraient emparés de l'or, de la vaisselle d'argent, des bijoux et des draps, ce qui représentait au dire des Figeacois plus de 50 000 francs d'or, auxquels il fallait ajouter les blés, vins et autres victuailles qu'ils évaluaient à 4 000 francs. Près de 500 hostales auraient été détruits ou endommagés pendant l'occupation de la ville qui dura près de 2 ans. La plupart des habitants se seraient réfugiés de l'autre côté du Lot, à Cap-de-Nac, mais il est certain qu'une partie d'entre eux revint en ville, notamment après que les deux capitaines aient accordé par lettre Suffert et Paty, et ce, avant le carême 1372. Là, il faut se reporter au texte 1. Très rapidement, les sources montrent que Bernard de La Salle transforma sa conquête en un grand centre d'opération que la bonne conservation des sources municipales du sud de la France montre singulièrement étendue à l'arrière des lignes françaises. La prise de la ville avait accru sa notoriété au sein des gens de compagnie, et il reçut de nombreux renforts qui rendirent sa conquête imprenable. Lorsqu'on voit le duc d'Anjou en 1369 délégué à la garde de Figeac 20 hommes d'armes, et qu'on compare avec le mémoire qui est remis par les Figeacois qui affirme que la ville a été constamment occupée par 200 hommes d'armes et 500 pillards, on voit effectivement l'écart en matière de défense. Il est entre autres rejoint par l'anglais, le seigneur anglais Robert Cheney et sa troupe, et ils portèrent donc la guerre contre des positions françaises éloignées. De fait, les sources signalent la compagnie de Bernard de La Salle en mars-avril 1372, à la fois autour de Sévrac, Palmas, Espalion, courant l'Aubrac et le Lévezou, je renvoie aux travaux de l'abbé Rouquette, mais aussi en Gévaudan et Vivarais. Les consuls de Nîmes envoyaient des émissaires à Anduze, Bagnols, Viviers et Aubenas pour se renseigner sur leur nombre et leur marche. Enfin, Bernard et Bertucas auraient également mené une action contre Cahors, pénétrant dans les faubourgs avant de se retirer à Veillac avec leurs 600 hommes d'armes, que l'on signale ensuite Saint-Cyr, la Bastide, Marnac. Je ne vais pas rentrer dans ce détail topographique. Sans réussir à établir un blocus de la ville, il l'a menacé directement, et le duc d'Anjou, qui n'avait absolument rien tenté pour reprendre Figeac, faisait en juillet envoyer des renforts à Cahors, faibles sans nul doute, puisque pour assurer la production du fameux vin, la municipalité négocia une sufferte avec les routiers le temps des vendanges. En août, on rencontre encore les Anglais de Figeac devant Cordes, au nord d'Albi, où ils s'emparaient d'hommes de bétail et menaçaient de brûler les blés que les édiles rachetaient, le contrat de prêt qui a été conservé et signalé par Portal, l'historien de Cordes. Dans tous ces mouvements de troupes, il est difficile de savoir exactement où se trouve le capitaine de Figeac. Il est certain qu'il n'est pas toujours en ville, puisque les sources nous donnent le nom de son viguier, noble Raymond de Casals. Il est également certain qu'il s'est rendu dans le sud de l'Auvergne, plus exactement au prieuré de Jussac, au nord d'Aurillac, où il est alors gravement blessé d'un coup de lance jeté d'une fenêtre, alors qu'il se trouvait sans armes et avait interdit tout pillage. Excédé par le forfait dont il était victime, ses compagnons avaient alors mis le feu au bâtiment, sans toutefois qu'il y ait eu mort d'homme, et une bulle pontificale, publiée par Denifle, chargeait en conséquence l'abbé de Figeac, le choix du délégué par le pape ne manque pas d'à propos, de le relever de l'excommunication, lui et sa bande, s'il payait effectivement les dommages, comme il s'était engagé à le faire. N'est pas évident que les déplacements de toutes les troupes qu'il était censé diriger aient effectivement coïncidé avec ses propres déplacements, et l'on peut même considérer que Bernard de La Salle ait pris soin de ne pas personnellement participer aux opérations, comme le montre sa présence inerme à Jussac, à cause de l'accord qu'il avait conclu avec Jean d'Armagnac.
Toutes ces sources suggèrent néanmoins de sa part une capacité à fédérer autour de sa personne de petits chefs et de petites compagnies, capacité que l'on retrouvera d'ailleurs pleinement active en Italie dans les années 1380, et l'on doit donc envisager qu'il ait réussi au cours de ces années 1371-1373 à établir son autorité, comme l'avait fait 10 ans plus tôt Seguin de Badefol en Mâconnais-Lyonnais, sur une série de bandes disséminées sur un territoire étendu, tenant de petits châteaux et se livrant comme lui à une activité de course à l'arrière des lignes françaises. Le fait que le pape Grégoire XI insiste en août 1372 pour qu'il restitue à un de ses familiers, Guy de Pesteil, les tours de Merle, en Corrèze, et que 9 mois plus tard, il le remercie pour l'avoir effectivement fait après consentement du prince noir, témoigne de la position qu'il avait acquise sur un territoire qui s'étendait bien au-delà de la région de Figeac jusqu'en Limousin. Le duc d'Anjou, incapable de reprendre Figeac et toutes les forteresses que détenaient Bernard et Bertuca, peut-être aussi à cause de ce que nous expliquera demain Michael Jones, je suppose, semble très tôt avoir chargé le comte d'Armagnac de négocier avec eux. On ne sait pas exactement quand s'ouvrirent ces négociations, mais leur précocité est hors de doute. Le texte du traité, contenant les points de l'accord en langue vernaculaire, a été conservé dans les volumes réalisés sur l'ordre de Jean de Doat, président de la Chambre des comptes de Navarre, entre 1663 et 1670, dans une version quelque peu regrettable, puisqu'il s'agit d'une copie du XVIIe siècle, d'un vidimus du 6 février 1464, sur l'ordre du sénéchal de Cahors. Ce vidimus décrit le document original, qui n'apparaît pas daté, comme étant écrit sur 3 feuilles de papier cousu « ad modum rotuli ». Daté de 1372 sans plus de précision par Durieux et de février 73 par Léon Honoré-Labande, ce traité est en fait antérieur à février 1372, comme il le démontre une lecture très attentive des pièces qu'ils ont quand même consultées peut-être un peu rapidement et que vous avez en principe devant les yeux. Ces documents règlent à la fois les conditions de rachat de la ville et les relations entre mercenaires anglais et civils et mercenaires français. J'en résume les clauses principales. Jean d'Armagnac et les 3 états des sénéchaussées de Quercy, de Rouergue et du bailliage des montagnes d'Auvergne rachetaient à Bernard et Bertuca toutes les forteresses et places qu'ils détenaient entre Lot et Dordogne. La liste est annoncée dans le traité, mais n'a pas été conservée, donc vous n'aurez pas de carte. Tout ceci pour 120 000 francs d'or, payables en 2 termes, 90 000 francs avant la fin août et 30 000 avant la chandeleur suivante. Des deux côtés, on se délivrerait Suffert et Paty, mais des deux côtés aussi, dans le cas où les rois, leurs fils, frères et lieutenants mèneraient une chevauchée dans la région prise en considération, on pourrait y prendre part sans pour autant condamner le traité. Tous les cas litigieux et les manquements aux accords seraient jugés par des juges spécialement nommés à cet effet, 4 pour les Anglais, 6 pour les 3 sénéchaussés et bailliages. Les échanges commerciaux entre hommes d'armes et gens du pays devraient être réglés comptant, et les gens de guerre devraient évidemment payer les biens qu'ils consommeraient. Ces pactes jurés de part et d'autre furent probablement tenus, dans leurs grandes lignes tout au moins, car tout prouve que ces termes chronologiques furent prorogés. Plus approchée la date du premier terme du versement, évidemment, plus il devait paraître que jamais les 90 000 francs promis ne seraient disponibles à la fin août, et les routiers de Figeac donc reprirent leur course. En septembre 1372, les consuls de Nîmes sont soumis à de nouvelles alertes. Dans l'hiver 1372-1373, on signale qu'ils sillonnent la campagne autour de Cahors. En mars 1373, ils courent le Rouergue, en juin le Velay, etc. Je passe sur le détail. La levée des sommes nécessaires souleva en effet de nombreux débats et discords entre les gens des États. En Rouergue, elle nécessita même un déplacement spécifique du duc d'Anjou à Rodez à la mi-mars 1373. Il fallut en outre faire accepter aux 2 chefs anglais des obligations en lieu et place de numéraire. En mai 1373, les procureurs de Figeac durent s'engager à verser les 3000 francs restants à payer de leur part à Montcuq ou à Bergerac, d'ici à la Saint-Michel, le 29 septembre, sur le mandement de Bernard et Bertuca, qui désignaient simultanément leur procureur. C'est le texte numéro 2. La liste de leurs procureurs vaut, je crois, d'être examinée. Messire Bernard d'Albret, seigneur de Sainte-Bazeille. Autre messire Bernard d'Albret, seigneur de Gironde. Messire Guillaume de Villebon, messire Gossem de Vérols, messire Gasbert, seigneur de Beuville, messire Menaudet de Posadet, les seigneurs de Cahuzac, Garcia Arnaud et Bertrand de Casals, Sandos, le bourg de Garlinx, Guyonnet de Sceaux, Steve Bale, Cazelat et Paulet Molinier. Une liste qui comprend une longue série de seigneurs qui sont encore plus ou moins tacitement pro-anglais en 1373
au premier rang desquels figurent deux Albrecht censés à cette époque avoir été tournés français, et enfin quelques authentiques routiers gascons comme le bourg de Garlinx qui désolera encore l'Auvergne dans les années 80 avant de passer sous le commandement de Jean III d'Armagnac en Italie en 1390. Cette liste révèle par sa diversité les racines du pouvoir de ces capitaines de routiers, fondés sur d'excellentes relations avec quelques tenants de l'aristocratie seigneuriale et foncière et sur l'obéissance de soldats professionnels. L'acte était souscrit à Figeac même, en présence du sénéchal de Rouergue, Arnaud de Landor, et d'une série de chevaliers écuyers rouergats à son service qui étaient venus donner une plus forte crédibilité à l'engagement particulier de la commune. Le 24 juillet suivant, dans le même lieu, en présence du même sénéchal, ce furent les consuls de Saint-Antonin, Verfeuille, Najac, Villefranche et Pérusse qui vinrent s'obliger, en leur nom et au nom des autres communautés du Rouergue, à leur verser 12 000 francs, pratiquement aux mêmes conditions. Cette dernière obligation était, semble-t-il, la seule pièce manquante, puisque le même jour, le 24 juillet, le capitaine de Figeac réunissait les habitants dans l'église du monastère et devant l'autel consacré à la Vierge, leur expliquait qu'il avait pris la ville avec Bertuca parce qu'elle relevait de la principauté d'Aquitaine. C'est le texte 3. Mais un traité avait été signé, donc il continue son discours, un traité avait été signé pour qu'ils l'évacuent et qu'elle leur soit rendue, ce qu'il était prêt à faire, pour peu qu'ils jurassent d'être bons, fidèles et loyaux sujets du roi d'Angleterre et du prince d'Aquitaine. Les habitants firent remarquer que le serment qu'ils avaient prêté au roi devant John Chandos réservait les droits du roi de France. Il leur répondit qu'ils voulaient d'eux le même engagement, ce dont ils s'acquittèrent aussitôt. Ceci réduisait à néant, en 1373 surtout, la portée réelle de leur serment, mais marquait l'alignement anglais du personnage qui paraissait ainsi ne pas avoir trahi en vendant sa conquête, et qui, de surcroît, légitimait le coup de main du 14 octobre 1371, qui n'était plus un acte de brigandage, mais un acte de guerre. Et de fait, les Anglais, peu après, entre le 1er août et le 3 août 1373, abandonnèrent la ville et les forteresses entre Lot et Dordogne. Une telle négociation, étendue sur 2 ans, n'avait d'ailleurs pas pu être menée à son terme sans l'aval du prince noir qui aurait eu tout le temps de s'y opposer, ne serait-ce qu'en retirant son office à Bernard de La Salle et en le donnant par exemple au seigneur anglais Robert Cheney, qui est mentionné à Figeac aussi bien en mars 1372 qu'en juillet 1373. Mais le rachat de Figeac par les Français constituait au fond un obstacle de plus pour son adversaire, le duc d'Anjou, qui devrait dégager quelques 100 000 francs d'or pour acheter la région, somme qu'il aurait pu utiliser finalement pour solder ses propres troupes. Il ne sanctionne pas chez les deux capitaines une quelconque forme de renoncement à leur engagement politique, il marque seulement un abandon par les Anglais des terres les plus périphériques de la principauté d'Aquitaine, et pour ce qui était du Rouergue tout au moins, presque entièrement acquise, même avant 1369, à l'influence du principal pivot en Aquitaine du parti français, le comte d'Armagnac. La prise de Figeac, les opérations qu'elle permit de conduire et les négociations auxquelles elle donna lieu, modifièrent considérablement l'envergure politique et le statut social de Bernard de La Salle. On aura peut-être noté, à travers ses papiers, que certains lui reconnaissent alors le titre de Dominus, que la correspondance ultérieurement échangée avec le pape Grégoire XI lui refusera systématiquement, et plus souvent encore celui de Messire, qui ne renvoie pas dans ce contexte à un pouvoir sur les hommes articulé sur la possession d'une terre, comme c'est le cas la plupart du temps à cette époque, mais à une puissance politique visible et mesurable, d'abord à travers le nombre d'hommes et de lieux qui dépendaient de sa seule volonté, et ensuite à travers l'importance des matières traitées au cours de ces négociations, qui impliquaient implicitement d'être de rang seigneurial. C'est là un des aspects intéressants de ce dossier, me semble-t-il, qui fait un petit peu bouger les critères de la distinction sociale. En somme, le déroulement de l'affaire figeacoise, fondée sur un pur acte de brigandage, avait presque paradoxalement lavé le personnage des taches que son comportement passé avait laissées sur son armure. Ceci apparaît tout particulièrement dans la correspondance que le pape Grégoire XI échangea avec lui. Une vingtaine de lettres pontificales relatives à ses activités entre 1372 et 1375 ont été conservées. Grégoire XI était en mesure d'être très bien informé sur les tenants de l'affaire figeacoise, et pas seulement par l'abbé Giraud de Lantillac, il pouvait en effet compter sur les renseignements que pouvaient lui apporter les membres de la famille des Lac-Guillaumy, qui donna naissance à une véritable dynastie d'officiers de curie entre 1340 et 1390, et qui était précisément originaire de Figeac. Enfin, il fut contraint d'intervenir directement dans l'affaire, à la demande des communautés des diocèses de Rodez et de Vabre, pour contraindre le clergé de ces pays à s'acquitter des 3 000 florins qu'ils devaient au titre de leur quote-part pour la libération de la région.
Les premières demandes que le pape lui adressait en 1372 étaient sans surprise relatives aux biens de ses proches, les Pestey, les Gramal et la Roche, occupés par des routiers que l'on considérait à Avignon sous son autorité. On peut penser que Grégoire XI tenta dès 1372 de l'engager pour l'envoyer en Lombardie lutter contre les Visconti, mais ce fut en pure perte. La correspondance pontificale révèle aussi qu'en juin 1373, alors qu'il était sur le point d'évacuer ses châteaux compris entre Lot et Dordogne, Bernard de La Salle négociait un traité similaire d'évacuation du Limousin. Deux seigneurs en relation étroite avec la curie, Pierre de Montmont et Bertrand de Chavanac, étaient venus pour ce faire le trouver à Figeac et avaient fait part de ses bonnes dispositions au pontife. Le 10 juillet 1373, le pape lui demandait donc de porter cet accord à bonne fin et se déclarant en même temps, il se déclarait prêt à lui offrir biens et honneurs. La douceur des propos employés par le pontife surprend quelque peu. Ne va-t-il pas jusqu'à écrire à ce chef de routier « Te sinceri diligimus » après avoir relevé qu'il avait toujours fait montre de bonnes intentions et de dévouement à l'égard de l'Église. Ne va-t-il pas jusqu'à exhorter à deux reprises sa noblesse, qui l'oblige à être un exemple, exactement comme s'il s'adressait à l'un des plus hauts aristocrates dont on flatterait ainsi l'excellence et la singularité pour qu'il s'emploie à libérer sa patrie du Limousin. Conscient néanmoins qu'il fallait donner à ce capitaine trop anglais une sortie honorable, il lui faisait offrir le 23 mars 1374, après en avoir discuté avec son camérier, une proposition d'engagement que l'intéressé dut accepter avec empressement, puisque dès le 25 juin, le pape demandait pour lui et pour Senlance un sauf-conduit au duc d'Anjou, tout en remerciant ce dernier de s'être employé dans cette négociation qui servait le bien et l'utilité du royaume. Mais l'homme temporisa, il disposait encore de nombreux points d'appui, d'où il pouvait mener les incursions jusqu'en Bourgogne. Il devait en outre recevoir diverses sommes de la vente de Figeac et pensait pouvoir entraîner avec lui d'autres capitaines. Le pape écrivit à nouveau le 17 septembre à la fois au duc de Berry, dont relevait l'Auvergne et le Limousin, et au duc d'Anjou, pour leur demander de hâter le versement de l'argent promis aux capitaines anglais, d'accorder à Bernard de La Salle et Perrault de Galard et leurs 300 lances un sauf-conduit pour passer à travers le Velay et le Dauphiné, et surtout de lever les garnisons de Bretons et de Français cantonnés en Limousin, puisque les deux capitaines avaient spécifié dans les pactes négociés avec l'Église qu'ils ne quitteraient leur position que si les Français évacuaient d'abord. Sans doute le firent-ils. On sait que le capitaine se présenta effectivement à Avignon avant le 22 juin 1375. On sait qu'après avoir contribué à la prise de trois châteaux du prince d'Orange, il partit pour l'Italie en direction de Gênes, où il devait s'embarquer pour atteindre le patrimoine de Saint-Pierre et rejoindre Pérouse. Mais auparavant, il obtient de Grégoire XI une lettre qu'il avait réclamée, puisque les documents conservés montrent qu'il n'était pas dans les intentions premières du pontife de la lui accorder, une lettre donc qui lui donnait le titre et le rang de capitaine de gendarmes stipendié par le pape et l'Église romaine. Le personnage avait visiblement goûté et saisi quel bénéfice distinctif un tel titre procurait à un chef militaire. Si le rang social que Bernard de La Salle avait atteint en 1375 à l'âge de 46 ans est indubitable, surtout si l'on considère que 15 ans plus tôt, à 30 ans, il escaladait encore les murs de Clermont, n'étant fort probablement qu'un écuyer de bas étage, les éléments constitutifs de son ascension, dès lors que l'on inclut ces phénomènes attendus de reclassement et de déclassement qu'une vie ne peut s'empêcher de connaître, dégagent un certain nombre de raisons qui n'auraient peut-être pas été inutiles de rassembler ici, mais qui finalement tournent autour de phénomènes attendus. Je veux dire le contexte politique et militaire favorable, la protection d'un Bertuca d'Albret lié à l'un des principaux réseaux aristocratiques de Guyenne, et bien évidemment l'habileté personnelle en termes tactiques et politiques d'un individu qui sut, après la capture du captal de Buch à Soubise, hein, souvenez-vous, Guyenne, tu es vraiment perdu, qui sut donc se détacher de la cause anglaise sans véritablement trahir. Tous ces éléments sont finalement des raisons profondes qui ne constituent pas des motifs de reconnaissance sociale. Ils montrent en quelque sorte que l'homme a bien travaillé dans un contexte favorable. Comme dans nos régimes médiatiques, comme dirait Nathalie Heinisch, la visibilité, dans le sens de l'apparence et de la mise en scène, joua aussi des rôles évidents dans son ascension. On aura remarqué qu'il se prétendait à la tête d'une grande compagnie de gendarmes en 1361. On aura remarqué qu'il se campait à Jussac en bon chevalier, s'arrêtant dans ses déplacements en des lieux consacrés. Mais qu'à la même époque, il disposait de plusieurs routes de gendarmes qui se réclamaient partout de lui, attestant ainsi sa puissance, autant qu'elle construisait sa renommée.
Bref, il entretint autour de sa personne, sous une apparente droiture de chevalier prompt à répondre aux requêtes du chef de l'église, un réel sens de la mise en scène qui n'exclut pas toute fourberie et qui finit par fonctionner, dans les termes qu'il attendait au fond, puisqu'en usant des informations que ses émissaires avaient su lui fournir, ce fut à sa noblesse que Grégoire XI choisit de faire appel, au double sens du terme, à la fois d'origine et d'âme, pour le plier à ses volontés, contribuant ainsi un peu plus, en élevant moralement sa personne, à l'agréger au monde des dominants. L'affaire Figeac présente aussi des côtés nettement plus sombres, voire carrément pitoyables, qui ne peuvent être passés sous silence, même si je pense que Nicolas Savy reviendra cet après-midi. Nombre de communautés furent condamnées à emprunter de fortes sommes pour régler leurs quotes-parts et ne purent s'adresser, dans un pays désolé par la guerre, d'où les marchands italiens s'étaient évidemment éloignés, qu'à de puissants seigneurs du voisinage. Les consuls de Cajarc se tournèrent vers le baron marquès de Cardaillac, qui en 1395 encore percevait une confortable rente sur la communauté. Quant aux Figeacois, ils ne purent échapper à l'emprise de leur libérateur, le comte d'Armagnac, qui étendait ainsi son influence à l'ouest du Rouergue. Il leur avança quelques 5000 francs, qu'ils eurent les plus grandes difficultés à rembourser en lui versant une rente annuelle à un taux usuraire, que le comte Bernard VII exigea avec la plus grande rigueur, allant jusqu'à emprisonner ses débiteurs. En 1393, une transaction fut conclue avec les consuls, la rente annuelle fut établie à 200 livres tournois. Les Figeacois ne cessèrent néanmoins d'en contester les fondements et entreprirent d'obtenir leur dégrèvement. Les procès n'étaient toujours pas terminés du vivant de Jean V d'Armagnac, ce qui explique que ces pièces, la dernière date de 1471, aient été conservées dans les archives de la commune où elles furent copiées sur l'ordre de Jean de Doate au XVIIe siècle. Je vous remercie.